Hey, on va tester aujourd'hui le contenu de la box Mademoiselle Bio. Tu sais, Mademoiselle Bio, c'est la marque dont j'ai déjà parlé, c'est une marque 100% bio, comme l'indique le titre, avec des produits qui ont des compos incroyables pour prendre soin de son corps, de son visage. Il y a aussi hommes, femmes, enfants, il y a un peu de tout. Bref, je t'invite à aller voir sur le site, mais ils ont commencé à faire une box depuis maintenant 4 mois. C'est une box bimensuelle, donc j'avais trop hâte à nouveau de découvrir ce mois-ci ce qu'il y avait dans la box. 5 produits, ils proposent des mini principalement, ou sinon des formats full size quand ils peuvent, mais sinon la promesse c'est d'avoir des formats voyage. Voilà, donc moi je trouve ça assez malin, parce que ça permet de tester le produit. Si tu veux, tu vas en racheter. Si t'aimes pas, au moins t'as pas un produit qui reste dans ton placard parce que tu l'aimes pas et que tu pourras jamais finir. Le premier produit qu'il y a dedans, je vais t'en parler un peu plus tard ce soir avant d'aller me coucher. Ensuite, il y a l'Aqua Merveilleuse de chez Sanoflore. C'est un peeling botanique, c'est marqué peeling botanique correcteur réduit et irrégularité, polissé et rénové, extrait de bourgeon de hêtre bio, hydrolat de Mélissa officine. Sanoflore, on m'en dit que du bien. Moi, je sais pas si. Je crois que c'est la première fois que je teste un produit Sanoflore. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Il est marqué médecine de quantité généreuse. Ça sent les plantes, vraiment bien. On va essayer d'appliquer plusieurs fois le côté, voir s'il y a un effet instantané. Mais moi, je sais que ce genre de produit, c'est souvent. Il faut l'appliquer plusieurs fois pour s'en rendre compte. Régène lisse et régénère la peau jour après jour. C'est ça la promesse. En tout cas, ça a bien enlevé tout mon gras sur mon visage. Et ça a un effet frais, c'est hyper agréable. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pourtant, je m'étais lavé le visage. Le coton a une couleur, je vous montre même pas tellement j'ai honte. Je me suis lavé le visage et tout ce matin avec le truc de porc de chez Benefit. Ensuite, de chez Respire, il y a un petit déodorant. Efficacité 48 heures, c'est du plastique. Je sais pas si c'est du plastique recyclé ou quoi. Efficacité 48 heures, l'odeur. Ça sent très très bon. C'est pêche blanche. Très frais. Alors, on pousse comme ça. Si vous voulez avoir mon avis plus complet, j'ai fait un short, donc n'hésitez pas à aller le voir, où je le teste pendant 24 heures. Super bon tout. C'est agréable. Ça me change un peu de mes nouveaux déos, parce que mes nouveaux déos, vous savez, c'est chez Aroma, mon déo que j'utilise tout le temps. Et en fait, il faut le passer à l'eau et après ça fait une crème. Et là, c'est vrai que ça me change un peu à nouveau de revoir ce petit truc en crème. J'aime beaucoup, puis c'est pratique pour l'été. Je sais pas s'ils vendent ce genre de format, mais ça, je trouve ça trop cool. Et après, il y a le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clément Sévillien. Hydratant, adoucissant, texture gel, senteur rose fraîche. Un petit flocon pipette, 30 ml, eau florale de rose damas, glycérine végétale et acide hyaluronique 1,25. Écoutez, j'étais super surprise parce que quand j'ai regardé comment ça s'utilisait, quand je prépare mes vidéos, c'est à la fois pour le visage et à la fois pour les cheveux. Donc nous, on va le tester comme ça. C'est aqueux, c'est pas du tout gélifié. Parce que des fois la texture est elle est un peu collante quand il y a de l'acide hyaluronique. Là ça pénètre assez vite dans la peau. Oh, c'est très très bien. Ça pénètre vite jusque là. Tout va bien, ma peau l'a bu à une vitesse. Je crois que ma peau soif. Pourtant qu'est-ce que je bois? Truc de ouf. Et après on va le tester sur les cheveux. Les cheveux en ce moment c'est un peu difficile, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à les reprendre, vous voyez, ils sont soit très secs, ils sont soit très gonflés. J'ai essayé de comprendre un peu pourquoi, mais en ce moment, c'est pas trop ça. Je pense que c'est avec le changement de rythme, et là, le fait que je sois très stressée. Donc, va falloir attendre, je continue à les soigner. Je vais mettre un peu d'huile, et apparemment, ça va faire briller tous mes cheveux. Un petit peu de sérum. Bon, je pense que c'est plus pour le visage que ça a été faible. Écoutez, il y avait marqué cette astuce-là sur le site, moi j'ai envie d'essayer. Je pense que sur cheveux humides, ça va être vraiment cool. Mais là, sur cheveux secs, moi j'en ai pas assez pour ça, quoi.
J'ai pas envie de finir le flacon, j'ai vraiment envie de l'utiliser sur mon visage, voir si ma peau va être réhydratée, parce que là, vous l'avez vu, elle en avait besoin, là, elle brille, elle est toute belle, ma peau. Robot ménager. Il y a mon robot qui tourne, parce que vous entendez un bruit de ouf. C'est mon robot, je suis désolée. Je pensais pas qu'il allait venir là, il a toute la maison nettoyée, il est bien là, devant ma porte. Voilà, en ce moment ils sont un peu mousseux, ils sont pas très beaux. Même si à la caméra ils rendent pas si mal, finalement. Hop. Et on va terminer avec le dernier produit qu'il y a dans la boîte. Et donc dedans il y a les cheveux super de la marque Nutrivi, il y a des petites gummies pour les cheveux bio, orti, roquette, fortifie et favorise la pousse. C'est au kiwi, j'ai trop hâte de tester. Alors c'est un petit échantillon, donc il y en a 10 dedans. Normalement une cure c'est 60, donc on en prend 2 à chaque fois. On va en goûter un. Deux gummies par jour égale 32 calories, seulement un abricot. C'est très très bien vu. Et vous êtes plutôt gummies, est-ce que vous prenez des trucs pour faire pousser vos cheveux? Est-ce que c'est un truc qui vous plaît ou pas? Écoutez, sur 10 jours, j'aurai pas vraiment d'effet, on le sait tous. Mais ça peut être une bonne façon de pouvoir commencer une routine, de dire ok, c'est simple, c'est bon, c'est au goût kiwi, c'est assez acidulé, c'est pas trop sucré, je vais commencer un truc comme ça. Ça, c'est assez malin. Bref. Donnez-moi votre avis sur le contenu de la box. Moi, en tout cas, je suis très contente de l'avoir encore une fois reçue pour pouvoir vous en parler et vous la montrer. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires quelle est votre box préférée si vous êtes déjà abonné à un service box comme ça. Sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !